Enfin, nous arrivons au sommet du monde, le mont Everest, à 8848 mètres. Je dois admettre qu'on commence à avoir du mal à respirer. Allez, faire un froid. Manque d'oxygène, oui, un froid de canard. Je vais regarder le thermomètre. Oh putain, moins 30,8 degrés. Wouhou ! J'ai pas encore vraiment froid, mais oh là là, putain. On se demande comment on pourrait se réchauffer. Voilà. Et je sais pas comment on va survivre, surtout là. Surtout quand. Oh là là, il fait froid. C'est vrai qu'il fait extrêmement chaud, hein. Moi aussi je trouvais. Oh putain. Bon, peut-être le fait de manger, boire un peu, ça va. Petite collation. Non ! Et le sac va s'envoler parce qu'il y a du vent en altitude, forcément. Bah oui. Voilà, hein, on est quand même à 8848 mètres, donc c'est pas rien. Alors que tout... Non. Alors que tout à l'heure, nous étions à 85 mètres seulement. Alors. Ouais. On a fait quand même gravi un dénivelé de plus de 8000 mètres, ouais. Comme vous pouvez le voir. Bon, je pense qu'on va peut-être pas survivre à ce froid polaire là. Le moins. Cette doudou ne me suffit pas parce qu'on n'est pas suffisamment équipé. Mais toi, t'es vraiment fou, toi. En plus, t'es en t-shirt et il fait moins 30, quoi. T'es vraiment un grand malade. Ouais. Ouais, t'es un grand malade quand même. Mais t'as même pas froid, putain, bravo, chapeau quoi. Bah ouais, mais bon, j'ai pas de pull sur moi alors. Ouais, mais je crois qu'on va succomber dans quelques heures quoi. Parce que je pense pas qu'on va survivre bien longtemps avec ce froid polaire. Avant qu'on meure, justement, est-ce que tu aurais une cigarette? J'aimerais bien goûter la cigarette avant de mourir. Et même de l'alcool, de la bière aussi. Non, je n'ai rien du tout. Non? Absolument rien. Mais putain, mais tu fais chier, merde, bordel! Ah bah oui. Oh! C'est trop cher pour moi, ces conneries. Mais... Oh, putain! J'ai trouvé pour ces conneries. Ouais. Ouais, on rigole, mais on va bientôt mourir peut-être là avec ce froid polaire. Hein. Et d'ailleurs, il y a un satellite. Non, merde, non, c'est pas un satellite, c'est une satellite qui a pas tardé à tomber sur. Un satellite. Ah bon? On dit un satellite. Non, comment ça? On dit une satellite, pas un satellite. Bon, on dit bien une voiture et pas une voiture. Ouh là, putain, on était en train de partir en couille là. Oh merde, je sais même plus parler le français, ça devient grave quoi. Mais ça, c'est le froid qui est en train de. Je suis en train de perdre la tête, hein. Merde. Sûrement, c'est bon, ça. Pendant ce temps-là, c'est un petit peu à la fin du monde, hein. Au sommet du monde, car il y a un satellite qui s'apprête à s'écraser sur la Terre, et on ne sait pas si ce satellite va s'écraser à cet endroit précis. Je crains le pire quand même. Oui, c'est sûr. Bon, bref. Un distributeur chocolat chaud pour se réchauffer un peu. Il y a de la fumée, mais bon, forcément, on voit pas trop. Ouais. Ah ouais, mais on va pas descendre pour remonter. Quoi. On a quand même fait plus de 8000 mètres de dénivelé. Nous sommes au mont Everest, mais ce mont Everest s'appelle aussi la colline de la revanche. Donc, on a une revanche à prendre. Nous avons une revanche à prendre sur cette colline. Nous avons déjà gravi ce mont, mais on a une revanche à prendre comme. L'indique le nom de la colline. Et oui, puis bientôt, financièrement, économiquement, ce sera le chaos. Mm-hmm. Et oui, parce que... Nous n'aurons plus d'argent, plus rien. Voilà, bientôt il n'y aura plus d'argent. Une catastrophe est annoncée pour 2018. Autant dire que la fin du monde est proche, les amis. Donc il va falloir se préparer au pire, à la chute aux enfers. Voilà, mais c'est pour ça que nous sommes... au toit du monde, justement, pour braver le froid le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'on meurt, jusqu'à tant que... Parce qu'en fait, ça va frapper autour, ça va pas forcément frapper ici même, mais plutôt en bas. Donc comme peut-être. Ça, moi, on vivra plus longtemps que les autres qui seront en bas. Tout à fait. Et au loin, je crois qu'on aperçoit même le château de Montréal.
qu'il y a un double Mont Everest sur cette planète. Bon, allez, moi je vais me lever quand même. Je vais essayer de me réchauffer un peu, parce que là je commence à avoir froid. Oh, oh putain. Bon, je vais mettre ma capuche quand même, parce que je grelotte. Oh putain, ça caille. Bon. Peut-être que si je mange un petit gâteau, ça peut aller mieux. C'est vrai qu'il fait extrêmement froid, hein. Vraiment, on dirait pas comme ça, mais même moi je crève de froid. Ouais. Oh mon dieu. Non, toi t'es bien courageux quand même. Bon. Je crois que ça va être le moment de vous laisser. Voilà. Bah ouais. Putain. Il fait froid, mon dieu, ça caille. Là, je vais regarder mon portable. Et la température. Putain, ça continue de chuter. Moins 33. Putain, on a perdu encore 3 degrés en l'espace de quelques minutes seulement. On va bientôt être à 25. On va mourir, je pense. Ouais, bah. Ça commence. Bon, je crois que, cher ami, on va pas être potes bien longtemps. Même si c'est dur, il fait froid en altitude, mais je crois qu'on va pas être potes bien longtemps. Et pourquoi? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux ma photo? Bah, je sais pas, depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de raconter des mensonges. Tu commences à me cacher des choses qui me plaisent pas forcément. Mais je t'ai parlé de la voiture de ma grand-mère. Quelle voiture? Bah, tu sais, la voiture là. Aucun genre, rapport. Moi, tout à l'heure, je t'avais demandé une cigarette. T'en avais pas. Mais d'accord. T'en avais parce que je t'ai vu fumer. Alors, non. C'est quoi ce mensonge? T'es un mytho. J'ai fumé de l'herbe déjà, c'est vrai. Mais c'est l'herbe que j'avais cueilli là, comme ça. Donc, t'es pas innocent. T'as fumé du cannabis, je sais pas. Ah oui, mais en même temps, bon... Bon, peut-être qu'on va bientôt mourir, mais c'est pas une raison quand même pour se droguer, quoi. Merde. Mais j'étais en manque. Non, tu parles. T'es pas innocent. Bon, alors, moi, tout à l'heure, je voulais une cigarette. Est-ce que je pourrais avoir une cigarette, s'il te plaît? Désolé, mais ça... Moi, je voudrais goûter la cigarette juste avant de mourir, ce serait bien, quand même. Ça, c'est pas quelque chose que j'aime partager, tu vois. Ok. Tu m'énerves, tu commences à m'agacer là. Il suffit avec ça. Et qu'est-ce que t'as dans la poche? Sûr que t'en as encore des paquets de cigarettes. Ouais, mais. Mais pas innocent. Plus pour moi, ok, en plus, bon, c'est, bien, c'est des Marlboro. Oh, ça pique! Oh, ça pique! Voilà. Avec moi, faut pas faire innocent. Là, je t'ai fait mal, mais c'est pour ton bien. Hein. Faut niquer la jambe. Eh ben c'est bien fait pour toi. Tu le mérites. Tu le mérites. Eh ben ouais. Ouais. Mais c'est bon, ça va, j'ai rien fait, j'ai juste Mais si, depuis tout à l'heure, t'es un mytho. T'as pas de me mentir. Alors voilà. Faut arrêter 5 minutes, ouais. Eh ben c'est quoi, c'est comme ça, je m'en vais, moi. C'est... Ouais, bah dégage. J'ai pas besoin de toi pour succomber à ce froid polaire. Voilà, il fait moins 35 maintenant. Allez. Dégage, je veux plus de toi ici, ça fera des vacances, connard! Bon gars, je tiens à m'excuser pour mon comportement tout à l'heure qui était inacceptable, juste pour une histoire de cigarette. Je me suis vraiment comporté comme un idiot, voilà. Et puis voilà, donc... Je regrette justement, donc voilà, je tiens à m'excuser. Donc j'espère que tu acceptes mes excuses. Sinon, attention. Non, c'est pas grave, t'inquiète, hein, je comprends. Et puis bon, après tout, j'aurais très bien pu te passer une cigarette, quoi, je veux dire. C'est vrai que j'ai pas été très correct non plus, je suis désolé. Ouais, bon, écoute, maintenant. Maintenant que nous avons laissé passer l'orage, nous pouvons maintenant attendre tranquillement la mort. Ouais. Depuis le sommet du mont Everest, il fait de plus en plus froid, moins 40, mais nous avons encore quelques petites provisions, voilà, donc de quoi encore grignoter, se faire plaisir. Ouais, c'est clair. Voilà. Finalement, j'ai pas envie de fumer. Hein. Ça m'intéresse pas. Le plus important, c'est. Bah, tu tombes bien parce que je sais pas ce qui m'a fait cette drogue, mais elle commence à faire effet. Et j'avoue que je suis pas trop rassuré des effets que ça me fait. Donc,
Eh bien voilà, t'as enfin compris la leçon. Ouais, tu vois, c'est pas si bien que ça la drogue hein, finalement. Hein. Bah non, la preuve que non. C'est très mauvais. Puis t'as plus la maîtrise du corps. Voilà. Carrément pas, ouais, j'ai l'impression d'avoir des tentacules bizarroïdes qui sortent de la planète Zork à la place de mes mains. C'est tellement bizarre si tu savais. Et puis je vois des papillons violets et verts et je sais pas trop quelle couleur en train de me parler et de me dire bonjour Vincent, bonjour. Ouais. C'est bizarre putain. Ouais. Bah écoute, hein, la prochaine fois, tu feras gaffe. Enfin, si on est toujours là, parce que malheureusement, dans quelques minutes, à mon avis, déjà je. Moi non plus. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Moi aussi. Ouais, là, mon cœur, je sens que là, il est un peu plus de ce froid polaire, mais. Putain, mais ça fait combien de temps qu'on est ici? Mais bon, au moins, on va pas mourir en solitaire. Non. Ouais. On va mourir. Heureusement comme que t'es là, gars. Sans toi, je sais pas ce que j'aurais fait, et sans toi, j'aurais pas pu atteindre cet objectif de gravir le mont Everest, le point culminant de la planète. Comment on va faire pour descendre? Ben, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que ils annoncent une tempête de neige dans 3-4 heures. Oh, merde! Si on parvient pas à redescendre d'ici, je pense qu'on va vraiment être dans la merde. Ah ben, un peu qu'on est dans la merde, ouais. Bon. De faire quoi moins sur 50 ce, on va essayer de se débrouiller pour se réchauffer un petit peu, voilà. Ah ouais. Le temps de trouver une solution. Parce que pour l'instant, nous n'en avons pas. C'est bien embêtant pour notre survie. Ouais, c'est clair. Non, puis bon. Ouais, c'est vrai que c'est. Ça caille un peu quand même. Non, puis bon, il fait quoi? Il fait moins 50 là, moins 60 peut-être. Non, quand même pas. Je vais regarder le thermomètre. Oh oui, on n'est pas loin, hein. Moins 42,6. Ah putain! Oh oui, putain! Et tout à l'heure, on était à moins 30. Ouais, et c'est surprenant que nous soyons encore en vie, mais là, je commence vraiment à être fatigué, là. Et inquiété aussi. Bon, écoute, on va se reposer, on va dormir, et on verra demain, au réveil, si on est toujours vivant. Bonne nuit! Bonne nuit!